moi, à l'époque où j'étudiais l'orchestration, en fait, typiquement, justement, il n'y avait rien n'était joué. Donc on apprenait des choses et quelque part on devait croire ce que le professeur nous disait. C'est comme si quelqu'un nous dit Chopin, ça joue comme ça. On ne sait pas très bien pourquoi c'est comme ça que ça joue, mais c'est comme ça que ça joue. Donc il y a plein justement la passation a aussi ses limites quelquefois. Je pense qu'un projet de recherche sur l'orchestration est plus que le bienvenu et il est plus que temps parce que c'est une des choses les plus empiriques qui existent. Et c'est vraiment, bon, comme beaucoup de choses en musique, une sorte de passation de savoir. Faites sur la pratique, sur les expériences antérieures et qui passent de génération en génération. Et donc c'est vrai que à l'époque, quand à l'IRCAM a commencé ce projet Orchis avec Yann Maresch entre autres et Charpentier, c'était une chose même à laquelle personnellement j'étais un peu réfractaire, parce que justement certaines des choses, en voyant les exemples, pour moi c'était tellement clair que ça ne fonctionnait pas, que j'ai d'abord été un peu dans un peu un refus justement, plutôt dans ce réflexe de voilà, la connaissance c'est une chose d'expérience, voilà. Au sein de la Haute École de Musique de Genève, nous avons décidé en 2010 de lancer un nouveau projet d'aide logicielle à l'orchestration. Ce projet, en fait, avait été initié dans les années 2005-2006 à l'IRCAM par un groupe de compositeurs et de chercheurs qui étaient sensibilisés à cette problématique de l'orchestration. Donc il y a une étape très importante qui consiste à avoir des sessions avec un véritable orchestre, donc établir des comportements faits à partir des travaux d'orchestration et des travaux autour du logiciel ou des logiciels, qui va viser à faire un comparatif, simplement un comparatif plus objectif, entre ce que nous pensons être des résultats possibles de la recherche, d'une part, purement informatique, et comment ce comportement se réjaillit sur la réalité orchestrale. Dans les sessions d'enregistrement du projet Orveo, nous pouvons imaginer la possibilité que certaines méthodes ou recettes de l'orchestration classique puissent être étudiées d'une manière très détaillée, dans le sens où, par exemple, on sait orchestrer de manière efficace un tutti orchestral. On sait comment dispatcher disons, les informations, par exemple, dans un tutti homophonique. Vous avez tout le monde qui fait la même chose. On peut transférer l'information à tous les bois, à toutes les cordes et à tous les cuivres. Et on a un résultat qui est efficace, mais c'est un résultat d'une très haute complexité. On n'a pas encore eu aujourd'hui un outil qui nous permette de vraiment étudier avec beaucoup de détails, tout le détail qui serait nécessaire, l'interaction entre chacune des couches. On assume que ça marche, mais on n'a pas non plus l'évidence, je dirais, perceptive et scientifique de quels sont les phénomènes aux grandes échelles qui ont lieu dans ce genre de texture. Mon expérience avec le logiciel d'orchestration, c'était que quand j'étais étudiant à la HEM et à l'IRCAM en même temps, j'ai écrit une pièce pour trompette, saxophone et orchestre avec électronique. Et le but, c'était de prendre ce logiciel et orchestrer tout ce qui était l'électronique et, disons, amplifier cette pièce avec l'usage du logiciel. Une partie de la nouvelle recherche, c'est de comparer ce que la machine est capable de nous fournir en termes de combinaison avec ce qu'un orchestre en vrai donne. Pour proposer une orchestration par les logiciels, écouter tel que le logiciel les synthétise et après les réaliser avec un orchestre, voir qu'est-ce que ça donne dans la vie réelle. Et le deuxième pas de ça, c'est de corriger avec nos connaissances de l'orchestration ces propositions dans la partition et le faire jouer à l'orchestre aussi pour voir ces trois. De ces trois propositions, quelle est la gagnante et quelle se correspond plus en fait à la perception que nous avons d'un son cible. Merci.
je vais, dans cet exemple, procéder à l'utilisation normale qu'on fait du logiciel, c'est-à-dire la plus habituelle. On a un son que l'on veut orchestrer, donc on le glisse à l'intérieur de cette fenêtre de visualisation du son, on le joue. C'est un son de tuba, très grave. Et puis on procède à une orchestration de ce son. Il y a plusieurs étapes intermédiaires qui vont viser à définir l'analyse et les descripteurs qui vont se mettre en place, ainsi que l'orchestre, des filtres. Mais le résultat prend un certain temps. Donc le logiciel est en train de calculer dans la base de données, à partir des contraintes que je lui ai données, une série de solutions qu'il va me présenter. Donc là, il a trouvé, on voit ici, 18 solutions différentes pour ce son, pour l'orchestration de ce son. Donc, je peux vous montrer brièvement l'écoute de deux solutions, par exemple. La première étant celle-là. La deuxième étant celle-ci. Que faire avec ce résultat ? Donc, il y a la possibilité d'exporter ces mêmes données d'échantillons sous forme d'un fichier, sous forme de partition, qui ne sera pas exploitable dans des données MIDI, mais qui sera quand même une représentation symbolique de ce que le logiciel a choisi comme note ici. Donc chacun des instruments qui a été choisi par le logiciel pour orchestrer ce son est représenté sur une partition avec le mode de jeu Flattertung, par exemple, pour une clarinette basse. Et on peut constater un certain nombre d'anomalies par rapport aux distributions en fait réelles dans une partition. Là, la représentation symbolique en notes nous donne plus d'informations sur ce qui est véritablement réel ou non par rapport aux résultats sonores. Donc ça, c'est important parce qu'il y a une première comparaison aussi visuelle, puisque nous avons des habitudes de regard sur les partitions qui vont nous renseigner parfois plus que le résultat sonore qui parfois peut paraître séduisant. À l'IRCAM, on est très, faut le dire, geek, mathématicien, donc on aime bien faire des algorithmes et des heuristiques, donc on aime bien passer beaucoup de temps dans nos sous-sols à travailler avec des équations, ce qui peut malheureusement un peu nous découpler de la réalité. Et c'est pour ça que le partenariat avec la Haute École de Musique de Genève nous permet d'avoir justement ce rapport qui est plus entièrement musical, et donc arriver à avoir une véritable réalisation des outils donc, qu'on va fournir aux compositeurs. Et tout ce travail en fait va être fait avec l'Université de McGill, qui elle va nous permettre d'évaluer en même temps, sous une forme de boucle, la perception et donc la manière dont ces outils sont utilisés par les compositeurs et la manière dont ceux-ci se relient en fait à la perception qu'on a d'un ensemble orchestral. Il ne s'agit pas de remplacer les orchestres par des orchestres d'échantillons ou des bases de données d'échantillons. Ce n'est pas la visée du projet, en aucun cas, mais au contraire, de connaître davantage comment le fonctionnement des orchestres, comment le fonctionnement des instruments entre eux, comment les questions d'interaction des instruments, justement, apparaissent quand un orchestre joue et n'apparaît pas quand il y a des échantillons qui sont joués, et pouvoir avoir une véritable connaissance plus objective de tous ces phénomènes. Donc ce n'est pas un remplacement d'un orchestre par un orchestre virtuel, mais plutôt alimenter la connaissance de cet orchestre, de ses comportements, pour en faire un outil pédagogique et de création.